Salut nous qui toujours branché série ça que l'hôpital Notre-Dame porte pour nous sous éducation financière. Bien que quelqu'un a parlé de cofondateur, mais on connaît, nous tous posons des questions ça. Nous le problème qui gagne l'offre en business à plusieurs mondes, c'est gourmet qui comme gagne entre monde qui peut faire business ça. Donc comment tu as réduit gourmet ça, comment tu as réduit dispute ça, problème qui va venir après pendant que tu as monté l'entreprise ou pendant que tu as monté start-up là. Je me conseille maintenant, c'est faut nous lire le code fiscal haïtien. Ok? Qui traite, côté législateur, traite déjà de un pile paramètres de vivre ensemble de cofondateurs. Comment vous faites pour créer un conseil d'administration, etc. Ensuite, statut nous. Pour parler de tout ça nous a aimé en termes de vivre ensemble. Mais deux points pour nous pas jouer sur eux, c'est mon même conseil d'administration ça eux comment nous allons faire les partitions capital stock là. Elle dit quantité d'actions à vendre, qui pourcentage d'actions cap pour chaque. Mais pour mon cap conseil d'administration faut toujours définir un minimum. Par exemple l'hôpital Notre-Dame ça minimum pour un monde pour cap fait partie du conseil d'administration, à date c'est 5% quantité d'actions que tu libères. Ça fait pipiti 500 actions. Donc, faut une fiction minimum. Et l'autre jour, je me dans ce compte, compagnon de Uber qui fait taxi le bon, et bien, nous avons que le monde qui est PDG Uber, la condition, il faut tenir 10 ans de salaire comme investissement dans la boîte là. Et si tu veux un membre exécutif, il faut tenir pipiti 3 ans comme salaire, tu n'as pas le toucher. Annuellement, comme investissement que tu as déjà fait au préalable en boîte là. Pour qui ça vous fait comme ça? Pour qui ça le législateur haïtien te pense qu'il faut que tu aies un pourcentage de investissement que tu as fait de capital là pour te faire même conseil? C'est parce que vous pensez que vous avez pris une décision. Si la décision est mauvaise, c'est des décisions qui te font mal en premier. Deuxième conseil pour éviter dispute, c'est rapidement en cofondateur, faut nous d'accord sur qui est cap numéro 1. Ça nous est le PDG et qui est qui prend le numéro 2. C'est-à-dire, dès qu'on détermine le numéro 1, tout le monde c'est le numéro 2. Pas forcément le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, mais tout le reste c'est le numéro 2. C'est-à-dire, c'est des monde et fonction numéro 2, on a commencé à faire c'est le plus facile. C'est fonction côté que, ou c'est fait que le numéro 1 réussit. Ça l'a fait. Tandis que le numéro 1, pour qu'il soit déterminé, c'est parce que l'entreprise, décision n'est pas qu'à collégial. Gain de décision, c'est comme si on entreprise son dictature éclairée. Gain de décision, faut que bon monde qui juste prend, faut que bon monde qui le dernier mot. Ça va pas dire que tout département pas une certaine autonomie pour le travail, mais ça veut dire que monde qui le dernier mot, c'est monde qui a retourné sur toute décision que tu prends déjà, qui vient de dire ah désolé, tu as fait ça, mais prochaine fois faut te demander avant. OK? Mais c'est pas bureaucratie qui fait que tout autant intervient à colle. Ça pas fait non, tout monde est autonome, mais bon monde qui tellement de maximum d'informations, parce que l'information c'est le pouvoir. Le numéro un, généralement, ça fait le pouvoir, c'est parce qu'il y a information sur tout aspect dans la boîte là. Donc, il y a un grand pouvoir de prendre certaines décisions. Et numéro deux, de épauler, de avec de la légitimité, légitimer, ça va être un numéro un, il a la vie, s'il pas bien fait le job. Il a remplacé et des fois, si on va remplacer, tout numéro 2 va aller ou quitter boîte la boule seulement. Donc, en numéro 1, c'est chaque jour, au jour le jour, pour la partie de légitimité par rapport à autant de bonnes décisions que la prend, par rapport à je la mettre reste groupe là en confiance. L'autre avantage, c'est de gagner le numéro 2 supporter tout le temps. Ça permet que structure après la hiérarchie organigramme, structure de management là, par exemple, l'hôpital Notre-Dame, bon directrice médicale, mais le fait que reste mon conseil légitimé président pour le faire que lui-même le plus facile pour autorité qu'à continuer sur tout reste monde qui avec nous. Donc un PDG son engagement que PDG a pour le point parce que numéro 1 n'est pas qu'à quitter boîte là. Elle dit que même si tout le monde a abandonné, nous ne va pas abandonner, seul j'ai pour quitter cette boîte là pour vendre cette entreprise pour ta vendre. Donc son engagement pour dire que lui engagé pour l'été, une fois qu'il choisit, lui engagé pour l'été. Et deuxièmement, lui prend engagement tout pour lui apprendre de toute salle qui constitue des faiblesses pour lui. Engagé pour maîtriser tout sujet qui est important dans la question d'entrepreneuriat, dans la question d'investissement. Parce que en numéro un, voile par lui-même.
c'est pas le rôle côté que c'est l'étoile détenteur de la culture de l'entreprise, l'étoile là pour vision entreprise là, et puis l'étoile bouche trou. Ça veut dire que tout job que personne l'entreprise n'a pas qu'à faire, c'est pas lui pour le faire. Et chaque job qui peut déléguer, c'est ce job que lui qu'on fait déjà, que le cas délégué pour le faire. Donc nous allons entrer dans le détail dans peut-être la prochaine vidéo en sous rôle ça que PDG a gagné, rôle dernier mot, relation avec vie personnelle lui. La prochaine fois, si on a quitté nous, à bientôt. Et n'a continué à choix PDG hein, qui quand mené en pile discussion. Pour qui ça? Parce que souvent, moun yo pense que moun ki pou PDG est moun ki te gen l'idée. Songez-moi toujours à rappeler ça dans la vidéo que nous canal gade sur YouTube. Yo. C'est que l'idée vient en commodité. Tout moun ka gen idée. Ça qui est important, ce n'est pas l'idée, c'est la capacité que tu gen pour exécuter l'idée. Donc, c'est pour choisir PDG, c'est qui monde qui a plus grande capacité d'exécution qui a mené le projet à côté de nous aller. Quand vous avez un exemple de Canby, et vous avez parlé de Uber récemment, le monde qui a l'idée Uber, c'est pas lui qui est PDG Uber. Là, Uber a commencé. Parce que vous commencez à le PDG, mais rapidement.